Hakim rap possible, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour réagir au dernier son. Alors on va réagir à deux sons, les deux derniers sons de Gims, les gars. C'est Oma Tokita qui est le tout dernier son de Gims, hein, tout récent, avec aussi le tout dernier son de Gims, Ciel. Voilà les gars, on va réagir à ces deux sons et voir voilà ce que ça donne. Alors Gims, moi je vais pas vous mentir, elle est partie dans un délire en ce moment qui me plaît moyen, mais bon, voilà, on va suivre, voir ce que ça donne, s'il y a une évolution ou quoi, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est dans ses sons d'été, là, avec ses fameuses instrus, là, qui sont à répétition. Je sais pas si on pourrait dire, il se julise, je sais pas, mais en tout cas, les gars, on va voir ce que ça va donner avec ces deux sons, donc on va y réagir. Comme d'habitude, vous lâchez un maximum de likes, vous vous abonnez en activant cette fucking cloche, et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, ça va vous jouer juste sous la vidéo. Bref, on est parti, let's go! Et on commence avec le son Oma Tokita. C'est peut-être un personnage de je sais pas quoi, bref, j'ai pas la ref et on s'en fout, on y va. C'est les mêmes prods, c'est tout est pareil, frère, c'est incroyable. C'est du Jul, c'est comme Jul avec sa prod type Marseille là, tu vois, c'est pareil. Elle m'a pété par la main. Vous avez 3 jours pour trouver la signification de cette phrase. J'entends ton cœur qui bat, donc je suis en bas de chez toi. À un moment donné, ces textes, c'est l'intelligence artificielle qui le fait ou... Parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est la version Eco Plus. Hein. Ah mais ça, j'en peux plus, moi. Et ce mec... Il met 10 000 marques dans ses sons. Il fait des placements de produits à chaque lines. C'est incroyable, ce mec. Bon, je pense que, voilà, c'est un délire de tube, un délire de... Voilà, comme ce qu'il fait, en fait, depuis quelques temps. Il fait que ça. Il sait que, de toute façon, il doit manger. Je sais pas, il doit de l'argent à quelqu'un. Il fait que des tubes du même style. Pété, frère. Le mec, il a calé Taibou Devian. Ah, tu parles de Ferrari, Balmain, Louis Vuitton, tout ce que tu veux, et il a calé la bouteille d'Evian pour rappeler un peu, pour se rapprocher du peuple, t'as capté? Ce mec est un génie du mal, hein. C'est une catastrophe, hein. Est-ce que là il parle de sa meuf actuelle? Parce que bon, quand elle s'énerve quand même, c'est un peu, c'est hard, hein, quand même, hein. Ça va bien se passer, fils de pute. Je baisse pas ta fille, fils de. Et elle est pas très belle quand elle s'énerve, hein. Mais en tout cas, elle accueille bien, Skip. Voilà. Bon, il va peut-être porter plainte contre moi avec cette histoire. Bon, bah écoutez, on va pas besoin de commenter, on va enchaîner avec l'autre, hein. Je pense que ça va être du même acabit, hein. Mais j'ai juré, c'est la même instru, en fait. Il y a le même truc, c'est... Voilà, par contre, je pense que... Là, les gars, je pense, honnêtement, hein, ça va être hard, là. C'était une magicienne. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Et regarde, il dit j'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Il y a toujours une Ferrari dans l'histoire. C'est incroyable. Regardez, écoutez. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. J'en peux plus. Ce mec là, en fait, tu pourrais faire un son. Mais vraiment, tu me passes la voix de Gims, je te fais 10 albums de Gims en une après-midi, frère. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des chines et pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. Tu m'avais pas dit que c'était une magie. Tu vois, moi, je me prétends être un enfant de la section parce que j'ai vu la section grandir, tout ça. Je vais faire mon puriste à deux balles. Mais quand même, si un mec
à l'époque de l'école des points vitaux, pour pas revenir même encore avant. Un mec, il se réveille, il a été dans le coma, hein, depuis l'école des points vitaux, donc on parle depuis voilà, l'époque 2008, 2009, 2010. Et le mec, il se réveille maintenant, il entend ça de Gims. Frérot, c'est pas une crise d'asthme, hein, qu'il fait. Hein. C'est... Ah, il fait un AVC. Hein. Ah bah c'est ce que je fais actuellement là frère. Donc là il s'est dit bon là il avait plus de place pour mettre enfin il avait plus d'inspi pour mettre les marques. Donc il s'est dit je vais faire des bruits suspects. Bah en tout cas, je sais pas si c'est une magicienne, mais essaye d'avoir des contacts avec elle, frère, pour au moins avoir un son ou... Bien, quoi. Non, les gars, plus sérieusement, ouais, certains, voilà, les fans de Gims, ouais, je vous vois déjà en commentaire, vous allez faire les... En mode, ouais, t'es un aigri, qu'est-ce... Non, les gars, moi, je vous dis ce que je pense réellement, j'en ai rien à foutre de qui c'est. Le mec, là, pour moi, il se fout de la gueule du monde. Il te fait le même type de son, c'est toujours à propos d'une meuf, toujours il y a des féfés, il y a du Louis Vuitton, il y a toutes les marques, et c'est sur le même type d'instru, sur les mêmes bases, sur les mêmes rythmiques, c'est la même chose. Moi, à un moment donné, un mec, il est là, il arnaque le monde, moi je suis là pour le dire, tu vois. Donc après, si vous voulez vous faire arnaquer, si vous voulez garder voilà, vos oreilles sales, parce que vous êtes des sales, les mecs. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste ce que je pense réellement. Après, oui, les goûts et les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, même si tu kiffes ce type de son, tu te rends compte que c'est la même chose. Tu te rends compte que c'est toujours les mêmes structures, les mêmes paroles, les mêmes thématiques. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. Donc, les mecs, réveillez-vous. Je sais pas ce que... Réveillez-vous, les mecs. Réveillez-vous. Là, vous faites arnaquer. Je sais pas comment ce mec peut faire à chaque fois single de diamant et sur ce type de son. C'est de la merde en boîte, les mecs. Moi, à un moment donné, il faut parler français. C'est de la merde en boîte, hein, ces trucs-là. Ça, il faut arrêter. Il y a aucun fond. Il y a rien du tout, les mecs. Alors, oui, c'est peut-être pas aussi ce qu'il recherche. Lui, il veut des sons qui ambiance et tout. Mais un minimum, quand même. Un minimum. Quand tu te fous de la gueule du monde en faisant les mêmes types de sons. Arrête, parce que je vais pas être sympa, parce que c'est Gims, et Jules, bah, je l'attaque là-dessus. Maintenant, Jules, ça y est, j'ai accepté le truc, ça y est, maintenant, voilà, les gens, ils font ce qu'ils veulent, moi, j'écoute plus, il n'y a plus de soucis, mais Gims, ça y est, Gims, je peux plus écouter, les mecs. Arrêtez de me dire, ouais, mais t'as pas écouté ce son-là de Gims, ouais, t'as pas écouté. Les gars, là, j'ai tout écouté, c'est pareil, je n'ai rien loupé, c'est la même chose, c'est les mêmes daubes. Ça va 2 minutes, les mecs. Donc voilà, je pense que j'ai été clair là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner en activant cette fucking cloche. Bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Les fans de Gims, hein, les Gimsou, les Demdemix, vous faites ce que vous voulez. Bref, sur ce, c'était Hakim Rap Possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking beers. C'était de la merde.